Avec la multiplication des écrans, la demande de fiction explose. Pour y répondre, un algorithme a été créé. Sa fonction, s'inspirer des contenus les plus populaires pour générer automatiquement des scénarios à succès. Voici son premier film. Voilà. C'est quand même plus joyeux avec des fleurs. Ouais. Merci. Il faut que tu manges. Faut que tu prennes des forces si tu veux sortir d'ici. Mais fais pas cette tête. Tu vas sortir. De toute façon, moi, je ne fais pas toute seule ce road trip en Australie. Monsieur le sieur, j'ai les résultats de vos analyses. Et malheureusement, elles sont pas très bonnes. Vous êtes atteint d'une maladie incurable, et si vous ne bénéficiez pas d'une grève dans les 3 prochaines semaines, un astéroïde va s'écraser sur la planète Terre. Quoi ? Comment c'est possible ? Nos satellites ont repéré un astéroïde de 72 km de diamètre, fonçant à plus de 12 000 km/h sur la planète Terre et allant inexorablement s'écraser sur le Dakota du Nord, détruisant ainsi toute forme de vie terrestre. Il nous reste exactement 21 jours. 72 heures. 14 minutes. Et 3 secondes. Mon Dieu. Nous avons très peu de temps. J'ai peut-être une solution. Sur nos projections sur la date d'impact, on a fait une erreur de calcul mineure, mais qui change tout. L'heure d'impact sera en fait 5h38 plus tard. Ce qui nous permet, si on envoie un missile dans les 58 minutes, de dévier sa trajectoire et d'éviter une collision avec la Terre. Je dirais 99,6%. Vous êtes sûr à combien de pourcents, Anthony ? Ok, faut le tenter. Vous ne sortirez jamais de cette pièce, à moins que vous ne trouviez la réponse à mon énigme. Je commence la nuit, je finis le matin, qui suis-je ? Dépêchez-vous, vous n'avez que quelques minutes. On peut pas sortir, la porte est verrouillée. Il a dit quoi exactement là? Dépêchez-vous, j'ai besoin de silence pour réfléchir là. Comment ça, lui, je finis le matin? Ça veut rien dire ça. Dépêchez-vous, putain, elle est en train de se transformer en putain de zombie. Je l'ai. C'est la lettre N. Je commence la nuit et je finis le matin. C'est la lettre N. C'est la lettre N. Parfait. Je pourrais pas la retenir plus longtemps. Non, je partirai pas sans elle. On peut plus rien pour elle, elle est partie. Avant qu'il soit trop tard. Bravo pour ce que t'as fait à l'intérieur. Très courageux, tu sais. C'est pas moi qu'il faut remercier. C'est lui. On m'avait jamais parlé comme ça. Je sais. J'ai été diagnostiqué pervers narcissique. Moi aussi. Toi qui pouvais avoir accès au protocole nucléaire. Pourquoi t'as été obligé de mettre ton nez dans des histoires qui te regardent pas? Je vais être obligé de te tuer maintenant. Je te laisserai pas mettre en jeu des millions de vies impunément. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose à vous annoncer. Bah vas-y, dis-nous. On va pas y passer la journée, hein. Bon, si je vous ai rien dit jusqu'ici, c'est parce que je voulais être sûr de ce que je ressentais, et puis... j'avais un peu peur de votre réaction. Peur de quoi? Non mais calme-toi, Michel. Non mais me calmer de quoi, là? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, là? Tourner autour du pot. Bon, je vais épouser un zombie. Un zombie? Bonjour. Un zombie? Non, non, mais...
Calme-toi, non. Chérie. Il les aura toutes faites. Je l'avais dit. Pour une fois dans ta vie, tu peux pas prendre quelqu'un de normal et faire comme ton frère. T'en as pas marre d'être le raté de la famille comme ça, là? Hein? Mais je m'appelle Julien, je suis le raté de la famille, comment va tout le monde? Hein? Prends exemple sur moi! De quoi j'ai l'air? Un putain de king! Espèce de raté. Non mais Julien, tu vas pas épouser un zombie! Paf! Des grognes! Ils sont pas comme nous! Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais... Mais on s'aime. Oh vous! M'adressez pas la parole, hein! Bon. Ses codes nucléaires. Je vais bientôt mourir, je n'ai presque plus d'air. L'astéroïde arrive, va détruire la Terre. Ma femme est un zombie, que va en dire mon père? Il s'est sacrifié pour nous, ce pauvre Tony. Votre bras m'étouffe, je suis à l'agonie. Nous allons tous mourir. Adieu l'Australie. J'ai trouvé le vaccin. L'algorithme, c'est peut-être pas une bonne idée. On va rappeler les auteurs.